Bonjour à tous. Donc, nous continuons notre rosaire des malades avec le livret édité par l'abbaye de Chambaran, Le rosaire et les malades. Et donc, nous sommes au mystère glorieux. Donc, Seigneur, nous nous immergeons totalement, maintenant et toujours, dans ta divine volonté. Et nous nous unissons à toute l'Église, qu'elle soit sur terre, au purgatoire ou au ciel, avec tous les anges et tous les saints, nous nous unissons donc dans la prière pour que tu multiplies les grâces à l'infini, même dans le passé, dans le présent et dans le futur, partout et toujours. Donc multiplie toutes les grâces à l'infini, des grâces de sanctification, de protection et de bénédiction. Au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il. Premier mystère glorieux, la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Ô Jésus, tu ressuscites. Nos yeux cherchent ton visage. Plus de front cerné d'épines, plus de voile sur ta face. Et les plaies que tu nous montres à l'instant de ta rencontre sont le signe de ta gloire et le sceau de ta victoire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pâques, c'est après l'excès du mal, l'excès du Père de toute compassion. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus se tient debout, le vivant, le ressuscité. Peut-être un jour, au creux de notre agonie, la lumière de la foi nous permettra d'apercevoir sa présence et de l'entendre nous dire: souffrir à ta place, je ne le peux pas, mais je suis au bord de ton être souffrant et je m'apprête à t'introduire dans ma vie ressuscitée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Discrétion du ressuscité, simplement les paroles et les gestes de la vie ordinaire. Rien n'est bousculé, mais tout est transfiguré par cette présence tranquille et immense du Seigneur. La vie est là, jaillissante, surabondante. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ceux qui approchent la mort découvrent parfois que l'expérience de l'au-delà leur est proposée dans l'expérience même de la vie, ici et maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me comprend, il est la vie que je veux passionnément, la vie, je suis la vie. Je suis la source de la vie. Je suis la seule force et la seule jeunesse. La paix soit avec toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Secrète, la résurrection l'est parce qu'elle ne s'impose pas de l'extérieur comme un événement que tout le monde peut voir et constater. Elle est un jaillissement de vie qui nous atteint par l'intérieur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon expérience est que guéri ou non guéri, je suis dans la pulsation de la vie. Elle est si intense que je la sens dans mes doigts en écrivant. J'ai vu ce que je voulais voir et je suis comblé, c'est tout. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Ma maladie ouvre des espaces inattendus pour beaucoup d'autres. C'est incroyable. Une force semble se réveiller qui leur dit: désormais, il n'y a plus à tergiverser ni à faire antichambre. Il faut entrer en vie et sur l'instant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chaque fois qu'on venait voir Xavier, même quand son corps malade était défiguré, on voyait dans ses attitudes et à travers ses paroles son corps ressuscité, et à la suite de cette rencontre, on ressortait debout, dynamisé. Dans l'espace où j'ai voulu vivre et mourir et la vie, j'opte pour le tout. Voilà, je suis au milieu du plus dense de la vie. Fais-moi vivre selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Je vais vous préparer une place. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Entrez dans la gloire, Jésus nous trace le chemin et nous conduit vers le matin de sa victoire. Mais l'amour seul est sa puissance, mystère découvert aux yeux de l'espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'ascension, c'est l'espérance du chemin au-delà de la croix, du chemin par la croix. Jésus monte, s'élève, aimanté par l'amour. Jésus ouvre la voie, il ouvre la relation. Nous ne sommes pas orphelins, nous sommes ses frères, enfants de Dieu. Jésus aujourd'hui nous communique son mouvement d'éternelle enfance. Je vais au Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La leçon de l'Ascension ne contredit pas la leçon de l'Incarnation. Elle la prolonge, elle l'approfondit. Elle ne nous place pas en deçà ou à côté de la vie humaine. Elle nous oblige à l'accomplir en nous faisant viser au-delà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Revenons à la mort, au souffle qui part comme un oiseau vers le ciel. Où est le ciel? Où va le chant des moines? À qui s'adresse le chant des oiseaux? Pourquoi a-t-on si peur de la mort si c'est pour trouver une autre forme de bonheur? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En quelques secondes, un regard, deux ou trois mots, nous parvenons à accoucher de cela que nous portions en silence et qui arrive à terme. Nous allons devoir nous quitter. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous nous enfonçons dans la mort de ceux que nous aimons comme dans un buisson épineux, les mains tendues. Nous sortons de l'autre côté merveilleusement écorchés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne crois pas qu'il soit bon de regarder dans le rétroviseur. Il est meilleur de regarder en avant vers le large. À notre âge, nous ne sommes plus très loin de nous embarquer vers la joie, la paix et la lumière, cette seconde naissance qui nous étonnera davantage que la première, quand nous avons pris contact avec le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Qui veut entrer dans la gloire du ciel après lui? Le chemin que le Christ a parcouru, le même chemin, il faut le suivre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu offre au juste sa propre victoire sur la mort. La maladie, la mort entre dans le cortège de la gloire de Dieu. Nous t'avons supplié de prolonger ces jours, et voici que tu lui as accordé des jours sans fin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais qu'on mette à la main de chacun, de ceux qui m'accompagneront au cimetière du village, ce petit mot de remerciement. Ne croyez pas que je sois morte. Je m'en suis allée pleinement vivante d'une vie vers une autre. Mon Dieu, c'est toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième mystère, la Pentecôte. Recevez l'Esprit Saint. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Comme le vent, l'Esprit est son passage. Nul ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Seul un murmure demeure, le nom du Père, au cœur des fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'amour, c'est-à-dire l'Esprit Saint, triomphe de tout. Il est la lumière qui chasse les ténèbres et la main qui soutient le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le salut réside dans le don gratuit de l'Esprit de Pentecôte, cet Esprit qui travaille la personne jusqu'au point d'utiliser les dissonances de ses facultés pour les mettre au service d'une harmonie plus grande. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au fond, je viens seulement vous apporter cette bonne nouvelle. De l'autre côté du pire t'attend l'amour. Il n'y a en vérité rien à craindre. Oui, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La vie spirituelle est ouverte à tous, c'est elle avant tout qui est la force de rayonnement d'un être. C'est elle qui fait des chambres de certains malades des foyers de chaleur, de vie et d'énergie à côté desquels peu d'êtres passent sans se sentir vitalisés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Conduis-moi, douce lumière, à travers les ténèbres qui m'encerclent. Conduis-moi toujours plus avant. Garde mes pas. Je ne demande pas à voir déjà ce qu'on doit voir là-bas. Un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi. J'aimais choisir et voir mon sentier. Mais maintenant, conduis-moi, douce lumière, conduis-moi toujours plus avant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'Esprit Saint est chez lui, plus loin en nous que jamais nous n'irons. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand le malade va jusqu'au bout de sa vérité humaine, qu'il essaie de construire douloureusement le combat de l'espérance, alors je me sens quelquefois être pour lui la flûte à travers laquelle souffle le vent de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous le jure, quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent. C'est la noyade, l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne puis pas penser beaucoup au bonheur qui m'attend au ciel. Une seule attente fait battre mon cœur, c'est l'amour que je recevrai et celui que je pourrai donner. Ton souffle est bienfaisant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Quatrième mystère, l'Assomption de Marie. Le Seigneur exulte pour toi de joie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Quelle est celle qui monte? Quelle est celle-ci qui monte à l'orient des cieux nouveaux, comme une aube sur le monde, comme une joie pour son Dieu, femme baptisée dans le feu et le souffle d'en haut? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si le jour de la mort est le jour de la naissance au ciel, ta mère ne fut jamais aussi jeune qu'au matin de son assomption. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il s'agit bien ici de naissance. En effet, lorsque la chance nous est donnée d'assister à l'émergence de la grandeur d'un homme, d'entrer avec celui qui s'en va dans l'intelligence de ce surgissement de vie, cette résurrection, qui vient de ce mystère humain qu'est la mort. Est-ce là œuvre de l'homme? Non, plutôt assistance aux merveilles de l'esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La mort est une œuvre, notre œuvre. Elle dépend de notre action et ne sera pour finir rien d'autre que ce que nous l'aurons faite. Car mourir, c'est-à-dire aller activement vers sa propre mort, est, à n'en pas douter, une tâche éminemment humaine. Elle requiert l'engagement de la personne entière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Madame D sait, elle se prépare. Un autre monde déjà se reflète dans le regard qui m'accueille. Mais ce qui me frappe ce soir-là, c'est sa paix. Une immense paix, en effet, va et vient entre nous et nous rassemble. Peut-être sommes-nous ici en ce lieu essentiel de la vie rarement atteint, en cet au-delà du croire et du non-croire. Nous sommes en présence de l'humain redimensionné, d'un humain qui aurait réussi, un humain en somme qui se serait éveillé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La mort peut faire qu'un être devienne ce qu'il était appelé à devenir. Elle peut être, au sens plein du terme, un accomplissement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je regardais le visage de Sébastien qui reposait sur l'oreiller. Je tendis une belle rose rouge et son regard se fixa sur la magnifique couleur. Mais, dit-il, il existe de plus belles choses où je vais, Magdalena. De plus belles couleurs, de la musique que nous n'avons jamais entendue, ni toi ni moi, dont nous n'avons pu que rêver, et enfin le Seigneur lui-même. Chantez-moi quelque chose de beau sur la mort, car mon heure est venue.
Comme nous chantions, une grande paix apparut sur le visage de Sébastien. Il était au-delà des misères de ce monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma dernière prière. Ne soyez pas déçus que la mort est en apparence vaincue. Ce n'est que l'apparence. La vérité est que tout est vie. Je sors de la vie et j'entre dans la vie. J'entre en vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te chanterai un chant nouveau. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Cinquième et dernier mystère, le couronnement de Marie. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, ainsi soit-il. Toutes les générations me diront bienheureuse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu t'a couronné d'étoiles, et tu brilles sur le temps. Ta victoire nous dévoile l'ultime échec de la mort, femme glorifiée dans son corps où prit chair le vivant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie est la femme en travail. Elle n'en finit pas de mettre au monde du Père le grand corps d'humanité du Fils premier-né. Il lui faut encore porter de Nazareth au Golgotha toutes les générations, la nôtre, jusqu'au jour d'éternelle nativité où elles se lèveront toutes, et pas une ne manquera, c'est écrit, pour la déclarer bienheureuse. Nous saurons alors qu'elle n'a jamais failli dans son Magnificat. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Durant ma vie entière, vous m'avez tenu par la main, ô ma mère. Se pourrait-il qu'à cette heure-là, je sente vos doigts se dénouer et votre main me lâcher? Certes non. Mère de mon lent cheminement et mère à mon instant suprême, enveloppez-moi dans la retombée de votre manteau durant ce court moment, après lequel, sûr d'avoir passé la porte, je me dégagerai soudain pour vous faire entendre mon rire, le rire de l'enfant qui rit parce que, par les soins de sa mère, il a tout réussi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mère, je viens à toi qui m'écoutes. La foi me le dit et mon cœur m'en donne la certitude. Dans ma maladie, au milieu de la souffrance, je t'appelle souvent, Mère, et je sens au fond de moi-même que prononcer ce mot me rend forte. Il a fallu que cette maladie me frappe pour que je comprenne combien ton amour est grand. Savoir qu'au-delà de notre vie, il est une mère qui nous attend, et quelle mère! Cela rend la mort plus belle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aimer Marie, ce n'est pas la mettre sur un piédestal pieux, c'est la laisser nous amener à cette communion avec Jésus et avec le Père, à tout ce que Jésus nous demande, et être présent au pied de la croix de tous ceux qui aujourd'hui sont crucifiés. Femme de compassion, elle est un modèle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espoir, salut. Enfant d'Ève, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants. Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô douce, ô clémente, ô miséricordieuse Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que j'aie part à la joie de ton peuple. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Dieu qui était, qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous avons fini nos prières pour aujourd'hui, en tout cas sur Camp Notre-Dame, ici avec moi. Donc, je vous donne rendez-vous le week-end prochain. Donc le samedi vers 15h et le dimanche vers 11h45. Et pour prier un rosaire quotidien. Et d'ici là, passez une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse maintenant et toujours. Et passez une semaine dans la divine volonté, c'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt.